Hello. Hello. Moro. Perivi. Perivi. Nawa. Nawa. Je suis accueilli chaleureusement par les femmes et le chef du village Ndjose qui m'apprennent à saluer en Iba. Bonjour. Perivi. Perivi. Nawa. C'est ta femme aussi? Okay. À la mi-journée, les Himba se reposent à l'ombre de leurs huttes et de quelques arbres autour desquels ils ont construit leur village. À l'âge de 11 ans, les Himba se font retirer leurs quatre dents du bas. Il s'agit d'un rituel de passage à l'âge adulte, symbole de maturité et de beauté. À partir de ce moment-là, le mariage devient possible. Si je veux intégrer la tribu, c'est une étape qu'il me faut accomplir. Et apparemment, la femme du chef du village s'est mise en tête de m'aider. Comment tu fais ça? Comment tu arrives à faire tes cheveux comme ça? D'accord. Donc ça, c'est un peigne naturel avec lequel elles s'entraident pour peigner le bout de leurs cheveux. Comme je m'intéresse à leur apparence, Mbiri, la sœur du chef, se propose de m'initier aux techniques de maquillage des femmes Himba. Elles utilisent principalement de la poudre d'hématite, ocre et du beurre. Ok, ça devient rouge. Et pourquoi vous faites ça? Wow. Bonne odeur. Oh, mon bon. C'est un bon parfum. De quoi je l'ai? Tu es magnifique, Marcus. Et en plus, tu as réussi à garder toutes tes dents.